Alors bonjour à tous, c'est Valentin du 21, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ceci n'est pas un live parce que j'ai des problèmes en ce moment puis je peux pas faire un live. Je suis désolé pour ceux qui voulaient un live. Du coup je fais une petite vidéo sur tout ce que m'a coûté mon matériel pour vous faire des vidéos. En global, si vous voulez un autre épisode vraiment tout. Vous me le dites en commentaire et puis je vous fais une vidéo sur tout. J'ai pas mis les Blu-ray DVD parce que il y en a trop. J'ai inclus mes abonnements de PS4, la PS4, les supports, les accessoires, tout ce qui va avec, les jeux, ma télé. Voilà, je vais vous faire un petit descriptif de tout. Une petite vidéo un petit peu rapide. Comme ça, voilà. Bon, vous voyez déjà ma télé, je tiens à préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est moi avec mon argent qui m'ai tout acheté. Tout ce que vous allez voir, c'est tout moi qui ai acheté avec mon argent. Voilà. Alors vous voyez déjà, j'ai ma télé, c'est une télé Schneider. Elle fait 70 cm. Elle fait Full HD normalement. Et puis voilà, elle a 3 prises HDMI. Voilà. Alors ça c'était le premier truc. C'est pas ce qui coûte le plus cher, elle m'a coûté 170 euros. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Bon le plus intéressant hein, je pense. Hein. C'est la petite PS4. Je l'ai acheté 410 euros avec Call of Duty Black Ops 3. C'est ce qui m'a coûté le plus cher dans cette collection. C'est ça. Voilà. Et vous savez ce que c'est une PS4, je vais pas revenir dessus. Si je mets là, ça crache un petit peu. Voilà. Alors, après, ma manette PS4, là je l'ai pas là parce qu'elle est là, attendez. Hop, elle est là. Ma manette PS4, j'ai l'autre aussi. Ma manette PS4 qui m'a coûté 60 euros, je l'ai eu à Noël, je me l'ai payé pour Noël. Voilà, rien à dire dessus. Voilà, j'ai vu que la vidéo a fait 1200 vues. J'en reviens pas. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai payé 60 euros et le support vertical pour la PS4. Il me déplaît un petit peu parce que en fait la PS4 elle aère pas assez avec le support vertical. Voilà, celui-là j'ai payé 20 euros. Mes deux abonnements, 3 mois et 12 mois, qui m'ont coûté 70 euros. La caméra PlayStation 4 qui est derrière, mais derrière le carton de télé, m'a coûté 25 euros. Mon casque PS4 pour faire les vidéos m'a coûté 30 euros. Après les jeux, hein, je fais vite fait. Alien Isolation 20 euros. Star Wars Battlefront. Je l'ai eu gratuitement. Battlefield 4, 25 euros. Non, Battlefield 1, 25 euros. Et Battlefield 4, 9 euros. Call of Duty, Anniversary Warfare, 5 euros. Destiny, 8 euros. Dishonored 1, 5 euros. Drive Club, 10 euros. Killzone, Shadowfall, 9 euros. GTA 5, 40 euros. Lego Marvel Super Hero, 25 euros. Sleepy Dog, 15 euros, The Crew 10 euros, Uncharted 1, 2 et 3, 25 euros, c'est Uncharted Collection, Uncharted 4, 40 euros, Watch Dogs 1, 10 euros, Wolfenstein The Old Blue, 5 euros, Battlefield Hardline 10 euros, et Call of Duty Infinite Warfare 12 euros. Et j'ai enlevé Evolve parce que j'ai revendu Evolve parce qu'il me plaisait pas. Voilà, j'ai fait tout additionné et ça me revient à 1088 euros. Et je dis tout de suite, j'ai pas été sponsorisé ou quoi, c'est avec mon argent que je me suis fait ça. La télé, c'est pas moi qui l'a payé, c'est mon père pour mon anniversaire. Voilà, mais sinon, je me suis tout payé avec mon argent. J'ai revendu des anciennes consoles et puis tout, et puis je me suis acheté. Voilà. Et là, je dois m'acheter encore un disque dur pour un disque dur externe de 2 Tera pour remettre des jeux parce que là, j'ai dû désinstaller 2 jeux parce que je pouvais plus mettre de jeux dessus. Et là, il faut que je m'achète un disque dur parce que sinon, là, j'en ai un 500 Go, mais 500 Go, ça va pas aller.
Alors, je préfère, voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De tout mon matériel, j'ai payé. Après, j'ai pas compté les enceintes, le matériel Hi-Fi, les DVD Blu-ray. DVD Blu-ray, je crois que je vais pas vous faire une vidéo dessus parce que j'en ai tellement que voilà. Mais sinon, une petite vidéo sur les enceintes, comment je les ai payées. J'ai une chaîne plus home cinéma, plus des petites enceintes, et puis voilà, tout le matériel Hi-Fi. Vous me disiez en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur tout ce que j'ai acheté. Comme ça, bah, vous saurez tout ce que j'ai acheté. Et puis cette vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà. C'est moi avec mes sous qui m'ai acheté tout ça. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager et à mettre un commentaire. Et j'ai vu qu'on était au 74 sur la chaîne. Merci beaucoup. Et voilà. Allez, ciao ciao!